Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Deep Rock Galactic Survivor Dungeon Darkness Dwarves. Dwarves. On va jouer le dernier personnage. J'ai un petit peu joué. On va jouer le dernier personnage qui est le Miner. Est-ce qu'on va le jouer ici? Non, il faut le Warthog. J'ai pas envie de jouer ici. On va le jouer là. Collecte de son de Nitra, ça peut être pas mal. Et lance-flamme. Vas-y, on va jouer le Miner, le Foreur. Donc j'ai un peu joué tous les persos. J'ai joué comme un connard. Parce que je trouve ça très intéressant comme jeu. Il a une arme de type cinétique qui tire derrière nous et qui on a son passif qui augmente la vitesse de minage jusqu'à 25 fois pendant 2 secondes quand il mine. Vous allez voir, c'est assez intéressant, ça lui donne un gameplay complètement différent des autres parce que on mine comme Bernard. Hop, et plus ça va, plus on mine vite. 15 vitesses de rechargement. Ouais, carrément. Mais il tire que exclusivement en arrière, le flingue. Ah putain, en fait, donc on... J'avais pas du tout fait gaffe que ça tirait qu'en arrière. Donc en fait, on va aller miner. Et les ennemis qui sont derrière, on va les blaster. Très bien, j'aime beaucoup la mécanique de jeu. Pendant qu'on est en train de miner. C'est une arme où j'ai déjà débloqué des trucs. Ça peut être intéressant de... On va rajouter des dégâts. De prendre l'épic là, c'est ok, mais... ouais, c'est pas... Plutôt des dégâts pour... Voilà, parce que je viens de me faire hit comme un gros schlagos, là. Vas-y, on peut prendre le champi dedans. Yes, merci, monsieur. Allez, un tiers des champis, déjà. Vitesse de rechargement, oui, monsieur. Allez. Là, on va faire ça, comme ça, on les tue. On va chercher de la vie, en attendant. Hop. Alors, dès que vous avez des bonus de minage en plus, c'est la gigafette, hein. C'est la gigafette à Dallas. Vraiment très intéressant comme personnage. En fait, ils le sont tous, hein. Ils le sont tous, mais... Je sais pas, je trouve ça amusant. Voilà. Et c'est là que tu dis, mais si on pouvait mettre comme dans le jeu de base du multi là-dedans, ce serait trop bien, quoi. Ah, yes, du lance-flamme. Vas-y, mon pote. Ça va être cool. Alors, forcément, ça traverse pas les murs, donc ça peut être un peu moyen. Mais ça fait quand même son taf. Hop, plus qu'un champi. On va essayer de terminer ça, là. Ici, trop bien. J'aime trop ce jeu. Dès que je joue, le premier run, il est toujours un petit run de mise en bouche. Et j'en fais plusieurs d'affilée. Le truc, c'est que j'aurai pas le temps. Là, je suis entre midi et deux, en train de vous faire cette petite vidéo. Hop, on va prendre ça qui fait qu'on va récupérer des PV max. Putain, en plus, il y en a du Red Sugar à droite, là. On va essayer d'aller récupérer. Pendant qu'on... Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu. Regardez, là, je suis en train de me faire déglingue le cul. Tout ça pour prendre plus de PV. Mais oui, monsieur, vous avez compris ma strat. Allez, le champi, il est là, comme ça, on est bon. Est-ce qu'on peut faire un petit truc de bâtard genre ça? Oh merde, ça va faire mal. Attends, on repart. Hop, ça explose, parfait. Parfait, incroyable, mon piège. C'est excessivement bien passé. Et donc on va être sur un perso où le but, on va peut-être essayer de rechercher des ressources. Vu qu'on mine entre guillemets assez vite. Pas au début. Hein, à chaque fois on mine sur la même vitesse que les autres. Mais si on enchaîne bien et qu'on continue de miner, on voit le buff ici qui reste. Voilà, hop, je vite fait dans un autre mur. Comme ça j'accélère. Je perds pas mon bonus, 25 toujours, hop, tac, 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 j'y vais. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, là, ce qui va se passer, merde, on est repassé à zéro. Ce qui va se passer, c'est que les monstres, ils gagnent en puissance au fur et à mesure, donc attention. Une fois que tout le monde est sorti, le boss arrive bientôt, on n'a pas encore tué cet ennemi qui est là, on va peut-être falloir se mettre à tuer des ennemis. Ouais, ça, c'est pas mal, tuer des ennemis. Plus 15% de dégâts, ouais, vas-y, lance-flamme, hein. Écoute mon pote, vas-y là sur celui qui explose. Voilà, très très bien ça. Hop. Le name de Kela. Le lance-lame, je n'ai pas débloqué son overclock. On va aller sur le flingue. Parce qu'au prochain level, on va avoir. Le prochain level du flingue, bien sûr. Vas-y. Vitesse de rechargement. Voilà. Type acide, 25%. 25... Oh, ça c'est bien. Vas-y. Recharge plus vite, tire plus vite. Let's go. Rock and stone. Bitch. Quoi? Eh, vous êtes grossier pour des nains. On voit que t'as jamais bu un verre avec passe-partout, toi. Ah, okay. Oh putain, c'est vrai que les boss font mal. Hop, on repasse par là. Attends, ça fait... C'est trop bien. En vrai, cette mécanique de jeu, de pouvoir miner pour fuir, machin, tout ça, je la trouve si forte. 25% de dégâts, ça peut être intéressant. On va tuer l'ennemi avant de se barrer, enfin, celui-là en tout cas. Hop, et là, on peut y aller. Je pense qu'il doit avoir un overclock permet de tirer aussi devant parce que je l'ai vu sur d'autres armes. J'avais un shotgun, l'overclock permet de tirer derrière aussi. Et comme j'ai mis des balles plasma qui sont des balles qui rebondissent, quand j'étais proche d'un mur, suivant le sens dans lequel je tirais, ça, pff,
ça balayait les ennemis, ils prenaient une double dose, ce qui était plutôt pas mal. Je vais prendre du déplacement, ouais, déplacement ça, et j'ai plus de thunes. Ok, là il faut qu'on prenne un peu de Red Sugar, parce qu'on n'est pas full life, et ça nous permet d'augmenter nos PV max, ce qui est franchement une bonne idée. Hop, ça on prend de toute manière, c'est toujours une bonne idée. Allez, on va miner un peu. Il y a du gold, le gold ça va nous intéresser aussi. Hop. Alors pour le moment j'ai pas trouvé d'upgrade du petit robot qui nous suit. Je suis un chouïe déçu de ça, je vous avouerai. J'avais vraiment gros espoir que on puisse l'upgrader et qu'il soit intéressant. Et en fait bah, le jeu il a dit nope, ce ne sera jamais le cas. Et un peu décevant. Hop, on va partir par là. Ok, il y a un peu de monde là, un peu de monde. On va partir par là. On va faire péter Roger. Vas-y. Ok, en bas le drop pod. Il va nous intéresser celui-là pour se débarrasser d'un maximum d'ennemis. Le truc c'est que on va essayer de level up avant. Yes, let's go. Allez, il y a du Red Sugar en plus. On va prendre ça. Allez, on finit la quête. Yes. Et maintenant, on commence à caper. Non, il y a ça, putain, j'avais pas vu. Aïe. Vas-y. Hop. Wet. Vas-y. On tourne bien. Voilà. Et voilà, monsieur. C'est ça qu'on veut voir. Récupérer de la vie quand on level up, bien sûr. On se donne quelques options de survie. On augmente le minage. Ça va être vraiment cool. Ah, résidu caustique. Let's go. Alors, vous allez voir, ça, c'est cool. C'est comme un peu comme le lance-lame, ça fait un tour sur nous et ça lâche du dégueulis sur le chemin. Ah ouais, merci, c'est ce qu'on voulait. Hop, explose monsieur. Ouais, parfait. 25% de vitesse de rechargement, la réponse est oui. Allez, je suis full life, ça sert à rien ça. Ah ouais, merde, je vais plus être full life dans 2 secondes là, à ce rythme là. Attends. Ah merde. Oh là, ça va être complexe de s'en sortir vivant là. Il y a les boss qui me suivent. Attention à ma barre de vie, je suis mort. Et le run n'a pas été long, je vais en faire un autre. J'ai gridé de ouf. Par contre, j'aime pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre l'XP, tiens. J'aime pas du tout l'arme que. On va changer de level. On va aller là. Boomerang étourdissant voltaïque, ouais. Miner 1000 blocs de rock and stone. Ok. Je reprends le foreur, bien sûr, mais j'aime pas son arme de base qui tire derrière. Je trouve que l'idée est intéressante parce que le mec est tout le temps en train de miner, donc potentiellement il a les ennemis dans le dos. Mais pas. Voilà. Est-ce que c'est ça les blocs de rock and stone? Ouais, en fait. Donc là, il faut que je mine un max. Vas-y, ça on prend. Merde. Oh là là, je me suis tellement rapproché, je me suis fait atomiser. Vraiment pas joli ça. Ok. Ça file double ressource qui nous servent à acheter des trucs entre les runs, donc très utile de détruire les petits bugs comme ça là. Vas-y, on fait un max de blocs. Ah oui, j'ai l'objectif du Mitra, donc il faut que. De la Morkite, pardon. Donc il faut que j'en récupère un peu. J'en ai pas vu donc ça change pas grand chose mais. Allez tire. Ah c'est en train de reload. Ah ok c'est bon. Putain j'ai quand même été hit, bâtard. Vas-y. Mine. J'ai pas assez de puissance de feu pour faire grand chose hein, pour le moment. Vas-y ça reload. Ah oui pendant que je reload c'est lui qui tire. J'avais pas trop fait gaffe à cette synergie vague entre les deux. Et là il tire pas le bâtard. Après avoir dit ça il tire pas. Tu te fous de ma gueule. Vas-y on s'en va. Y'a pas encore eu le drop pod? Non. Ok. Alors, je vais presque aussi vite à pied que dans les trucs à creuser que normalement. Ce qui est plutôt cool. Pas autant hein, vraiment. Je dis ça parce que je m'auto-persuade que c'est ce qui se passe mais c'est pas du tout le cas. Hop, on passe comme ça.
Donc là, typiquement, je creusais peinard et il pouvait miner, et ça, c'était plutôt pas mal. On va pas partir sur le lance-flamme cette fois-ci. Alors, en même temps, il y a les tourelles lance-flamme. On va prendre le truc acide parce que celui-là, je le trouve vraiment cool. Pardon. Allez, ça va être prêt. On remet une dose. Et mine de rien, les dégâts que ça fait, ils sont pas déconnants. Merde, 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 merde. Ah là 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 là, j'ai perdu tant de vie. Ah yes, un aimant. Ça peut être intéressant. Chance de crit, vas-y. Ouais. Allez, envoie au-dessus. Voilà, très bien. Ah, plus 50 de PV max, je dis pas non. Est-ce qu'on peut faire péter un mec? Ouais, parfait. C'est pas suffisant. Là, c'était pas mal. Là, c'est ce qu'on veut. Là, 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 ça explose. Il y a du jus partout d'ennemis. Parfait. Hop, on augmente un peu le rayon de récupération, vu que justement, il y a du monde. Temps de recharge. On va essayer au moins d'aller choper le level 12 du truc caustique. Ah mais j'ai terminé l'objectif, je suis con. Ce qui va nous permettre par la suite de l'overclock les prochaines fois que je joue. J'aime bien ce principe de... vous pouvez pas avoir une arme ultra forte sur votre premier run à chaque fois que vous utilisez une nouvelle arme. Vraiment très très... Army of Ruin fait ça. Hein. Ah, je suis pas assez rapide pour pas prendre de dégâts dans les flammes. Ok, c'est bon à savoir. Vitesse de déplacement? Non. Rechargement de ça, très très bien. Allez, hop, on va aller récupérer un peu tout ce qu'on a. Ouais, j'étais en train de me dire, on n'a pas récupéré le drop pod non plus. 25% de dégâts, je prends. Voilà. Ça, on en a tapé un peu tout à l'heure, non? Oh le bâtard, je pensais que ça irait plus vite. Mais arrête de foncer dans les ennemis, mes couilles. Allez, on y va, on y va, on y va. Vas-y, ouais, parfait, c'est bon, c'est cap. Avancez un peu, vous allez rigoler. Temps de recharge. Ouais. Merci. Alors ça c'est bien, cadence de tir et vitesse de rechargement qui augmente jusqu'à 10 fois tant qu'on bouge pas, mais clairement j'ai pas du tout envie, ça c'est par rapport au gold, plus de dégâts. On va prendre ça, qui permet de d'avoir un effet sur les ennemis quand on se fait hit, comme on vient de voir le petit dôme. Plutôt cool. Merde, 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 ma vie. Aïe, 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 les champis, putain, mais je joue si mal. Quand je joue hors record, je suis tellement concentré, focus mon cul. Après, je dis ça, mais j'ai pas battu énormément de boss. Hein. Ils me mettent en PLS, les mecs. Alors, l'XP, je prends. Je me soigne aussi. J'ai plus assez. Ah si, j'ai plus, pardon. Ça, je vais prendre. Ça va me faire bien avancer. Et des dégâts. Et on n'est pas trop trop mal. Allez, encore de la Morkite. Parfait. C'est mon corps de métier. Hein. Je me rends pas compte du boost de dégâts sur l'acide que j'ai eu par exemple tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment cool sur les dégâts qui sont faits par rapport à de l'acide sur le sol? Parce que ça fait... finalement c'est un dot, ok, mais voilà, voilà, j'ai du mal à tuer des ennemis de base quoi. Donc c'est pas mon arme préf. C'est pas ma préf. Faudrait quand même que j'arrive à valider l'overclock. Parce que en plus du fait de pas avoir d'overclock, les armes sont capées level 12 je crois. Et je crois pas que vous puissiez les monter plus à ce moment-là, j'ai un doute. Oh, peut-être. On récupère un max de ressources, hein, on est là pour ça. Quitte à mourir, parce que clairement, c'est ce qui va se passer dans quelques secondes, hein, vu comment ça se dessine là. Attends, est-ce qu'on peut bien leur gerber dessus? Ouais, et maintenant on peut éliminer. On se barre, on va refaire un vomi ici, voilà, très bien, très bien. Hop. Presque pas mal. Ouais, on a perdu un peu de vie. On va pouvoir aller faire péter les gens. Faire péter les gens. Merci. Récupérer du gold au cas où. Si on survit, on sera content. Il y a de la vie là, il y a de la vie juste derrière. Vas-y, on prend ça. Parce qu'au moins après, on aura la possibilité de l'upgrade. Et ça, c'est trop bien. C'est de la morquette qui est par terre là? Non, c'est de l'XP, je suis con. Ok. Oh, ce flingue est si nul. Hop. Can't land the supply pod. Impact zone is cluttered. Get it fixed. Ah, on mine pas la suite. Il va arriver. Yes. Oh là là,
Merde, j'allais dire cette esquive, faut prendre un vieux hit au moment de la, du début de la phrase, genre. Bonjour Annie. Ok, je peux pas rester dedans. Trop d'ennemis, on passe comme ça là. Ouais, vas-y. Faut qu'on les fasse péter. Pouette. Pouette. Voilà, il y a eu un double pouette. Ça, ils aiment bien. On refait un tour complet comme on vient de le faire. Putain, mon flingue est si nul. Je comprends pourquoi j'ai galéré à chaque run avec lui maintenant. On revient ici. On refait ça. L'étape numéro 1 est très importante. Ok, le boss a pop. Ok, nouvelle arme. Alors, lance-flamme, non, le sentinelle. On va prendre la grenade. Parce que, voilà. Oh, ça va être chaud. Attends, je vais trop attendu pour essayer de hit le boss avec, mais... Mon erreur. Ah, je l'ai eu. Par contre, je vais mourir. Je vais mourir si je prends un des hits, là. On va se mettre de l'armure pour essayer d'aller jusqu'au truc. Il me reste 5 PV. Allez, ça suffit. Il nous en fallait un tout petit peu. Non ! Me tuez pas, bande de bâtards ! Allez, putain. Oh, je peux pas ! Ah, le run va se terminer là-dessus. Ah, ta race. Ah, le mineur, il est dur. Il est dur. Mission échouée. La capsule est partie sans vous. Mais quelle connasse aussi. Elle aurait pu attendre un tout petit peu. On a débloqué le micro curseur Colette. Ok. Et on va pouvoir upgrader encore quelque chose. Peut-être l'armor, hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. Non. Non, j'aime pas assez. Vitesse déplacement, je dis pas. L'armor, c'est bon, j'ai compris, je vais le faire. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé. Maintenant, on a fait le tour des 4 personnages. Lequel avez-vous envie de revoir? C'était Vokedeshi Day. On a, pour rappel, juste sélectionné le scout, le soldat, le foreur et l'ingénieur. C'est vous qui choisissez ça. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut!